Bonsoir à tous, bonsoir les filles, bonsoir Mylène, bonsoir Alexandra, bonsoir Daphné, bonsoir les filles, bonsoir Internet, bonsoir chers téléspectateurs. Alors j'espère que vous vous portez bien, nous sommes honorés de pouvoir animer cette émission tout en sachant que vous êtes là et nous vous disons merci parce que voilà, vous nous soutenez énormément et nous sommes super contents, ravis de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc on va remercier dans un premier temps l'apôtre Alain Patrick, qui est quand même le visionnaire et le président de cette chaîne. Donc merci beaucoup apôtre. Et nous allons également remercier le pasteur Paulette. Nous allons remercier ministre Sabrina également, qui est la directrice de la chaîne Évangile TV. Ok, une chaîne qui vous bénit, qui vous propose vraiment un contenu de qualité et édifiant, n'est-ce pas les filles? C'est mais ça, hein? Vraiment. On est bénis chaque jour avec les lives que nous avons tous les jours, les émissions. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et on traite vraiment de thèmes divers et variés et toujours en accord avec la parole de Dieu. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette vision. Et je remercie également le pasteur Grasse qui, vous l'avez constaté, m'a encore prêté son fauteuil aujourd'hui. C'est un prêt à durée indéterminée, c'est ça? Bon, on a un contrat, mais on vous dira après si c'est un CDD ou un CDI. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, pour l'instant, j'occupe son fauteuil le temps de l'émission et c'est un honneur pour moi. Et tu l'occupes très bien. Oui. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci, merci à Pasteur Grasse, voilà, parce merci, que c'est elle qui m'a appris, hein, écoutez. Oui. C'est vrai. Voilà, donc merci à vous tous et merci aux équipes qui se sont bien occupées de nous. Oui, hein, voilà. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, je crois, va vous parler, n'est-ce pas, les filles? Bien sûr. Voilà, on va parler des objectifs, n'est-ce pas? Dans la vie, il faut se fixer des objectifs et nous allons voir ensemble comment accomplir ton objectif à toi qui nous regarde, comment accomplir ton objectif le plus ambitieux. Waouh. Ouais. Wow. C'est pas n'importe quel objectif, quoi. C'est le plus ambitieux. C'est le plus ambitieux parce qu'il y a des objectifs qui sont peut-être plus ou moins importants et je pense qu'il est, il est de rigueur en fait de classer ces objectifs, n'est-ce pas? Oui. Voilà, parce que on se doit d'être organisé si on veut atteindre le sommet, par exemple. Hein, quand je vais parler de sommet, donc je parle des ambitions bien placées, bien évidemment. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Donc, on sponsorise pas. Les objectifs farfelus et qui peuvent être dangereux pour la santé. C'est ça. C'est ça. Et surtout, du coup, différencier le fait d'avoir un objectif ambitieux, d'être ambitieux, et le fait d'être arrogant. Parce que souvent, les gens se disent « Ah, mais ton objectif est grand, il est vraiment très, très ambitieux. Quand tu as de l'arrogance, tu es très prétentieux. » Alors que non, il y a des personnes qui sont simplement... nés, ils ont été éduqués dans l'excellence, dans vraiment l'ambition, et pour leur vie, ils veulent des choses excellentes, ils veulent des choses ambitieuses. Et comme disait justement notre apôtre Alain Patrick Tshenge, on ne doit pas en fait se sentir à l'aise dans la médiocrité, dans les choses qui ne nous ressemblent pas, mais au contraire, même si ça ne nous ressemble pas pour l'instant à l'heure actuelle, se dire que dans le futur, on sera cette personne qui aura les épaules pour tenir ce projet ambitieux, quoi. Oui. C'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser éteindre par les gens, comme tu le dis. Amen. Exactement, parce que nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas les mêmes objectifs de vie. Et là où il faut faire attention, c'est que parfois, les gens, en fait, nous confient leurs craintes. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont nous dire « Ah, mais fais attention, tes ambitions sont trop élevées, tes objectifs sont ceci, sont cela », en fait, ils nous parlent de leurs limitations à eux. Exactement. Ils nous parlent de leur peur à eux. De leur peur à eux. Et les projettent. Hein. Ils projettent leur peur sur nous. Ils projettent ça sur nous. Alors que bon, déjà, il faut comprendre que notre discours à toutes les trois, c'est vraiment pour décomplexer les personnes qui ont de l'ambition.
Si vous avez de l'ambition, il n'y a aucun problème avec ça, c'est vraiment OK. Et on est là justement pour encourager les personnes qui ont de l'ambition. Parce que comme tu l'as bien dit, et c'était vraiment très important que tu le soulignes au tout début de l'émission, c'est qu'on fait bien la différence entre l'ambition et l'arrogance, d'accord ? Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas d'ambition ou qui n'ont pas été éduquées dans un environnement où on les laisse se projeter le plus loin possible et pour des objectifs qui peuvent sembler fous, et ben, on croit aussi que par nos paroles et par l'Esprit de Dieu surtout, ça va créer en vous cette ambition qui manque, ça va vous permettre de croire en vous pour vous dire « je peux faire mieux ». Vous voyez, des fois, on se fixe des objectifs, mais sur la base du manque d'estime que nous avons. Donc, on se dit, non, mais là, ça, c'est suffisamment pour moi, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas besoin de plus, je ne mérite pas plus. Déjà, si j'arrive à avoir ça, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément une bonne mentalité ou ce n'est pas forcément sur cette valeur-là qu'on peut se fixer des objectifs, mais sur la base de qui nous sommes en Christ. Amen. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se satisfaire. Il faut vraiment, quand on vient à Christ, se renouveler l'image qu'on a de nous, renouveler vraiment cette image de la réussite, cette image de l'ambition et se dire tout simplement, même si je ne suis pas encore qualifiée pour l'instant, je ne suis pas encore diplômée pour l'instant pour faire cette chose, mais je vais l'écrire à un endroit, je vais le garder en mémoire dans un coin de ma tête. Et quand Dieu me donnera le top, pour le réaliser, je le ferai, quoi. Mais j'en suis capable. J'en suis vraiment capable. Amen. C'est ça. C'est de se dire aussi qu'on est capable. Parce que comme tu disais, il y a des personnes qui n'ont pas été élevées dans ce cadre-là, où on va les pousser, où on va leur dire, voilà, tu es capable, etc. Et ils se dévalorisent beaucoup. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, à ce niveau-là, on a du mal de se fixer des objectifs parce que on ne sait même pas ce que c'est que des objectifs pour certains à ce niveau-là. Ou alors, ça peut avoir l'effet inverse. Je n'ai pas grandi dans cet environnement-là, donc j'ai envie de sortir de là. Et là, ça devient un objectif. Oui, c'est vrai. Se sortir de là. Et on va voir aujourd'hui comment atteindre, du coup, cet objectif le plus ambitieux. Oui. Vous êtes d'accord, les filles ? Yes. Ah, yes. Très alors, moi, j'aurais une question à vous poser. Quels sont les avantages à se fixer un ou des objectifs ? Alors, moi, j'aimerais dire que c'est très important pour rythmer une vie, déjà. Oui. D'accord ? Donc, peut-être qu'on pourra aller après dans des discussions un peu plus théoriques avec la définition d'un objectif. Mais j'aimerais déjà parler de l'importance de se fixer des objectifs. Et je vais juste faire le parallélisme avec moi. D'accord. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me projeter dans la vie. Et beaucoup de difficultés à avoir des objectifs. Pourtant, grâce à Dieu, je suis née dans une famille avec des parents qui étaient équilibrés, aimants et qui nous ont apporté beaucoup de choses, qui nous ont permis de découvrir beaucoup de choses. Mais me concernant, j'avais beaucoup de difficultés à me projeter. J'étais très ancrée dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas forcément attentive à ce que je faisais. Je n'étais pas désinvolte, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à me projeter dans la vie. C'est-à-dire que jusqu'à peut-être mes 18 ans, donc quand j'ai accepté le Seigneur, je ne savais pas forcément ce que j'allais faire dans 5 ans, dans 6 ans. Et il a vraiment, vraiment fallu que je me plonge dans la parole de Dieu pour comprendre que le Seigneur, quand il créait quelque chose, c'était pour un but. Donc que j'avais été créée pour un but. En fait, moi-même, nous-mêmes, nous sommes un objectif. Nous représentons un objectif général, si je peux m'exprimer ainsi, aux yeux de Dieu. Donc tout le monde est utile, tout le monde est là pour un but, et au travers de ce but ultime, eh ben, on se fixe des objectifs. Yes. Et c'est pour ça, comme tu le disais, la première chose à faire lorsqu'on se sent pas encore, on se sent indécis, on ne sait pas précisément ce que Dieu veut que nous fassions, mais aller demander à Dieu, aller vraiment en fait dans le lieu secret, demander à Dieu, enfin, quel projet tu as pour moi. Et comme le dit la Bible dans Jérémie 29, 11, vraiment Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Donc vraiment cet avenir plein d'espérance, il a déjà en fait, nous a déjà donné. Donc ce sera tout simplement à nous d'y aller, d'aller vraiment avoir cette révélation que c'est en Dieu, que c'est tout simplement dans le lieu secret que se trouvent nos projets, que se trouve vraiment cette chose ambitieuse qu'on va atteindre, quoi. Amen. C'est vraiment la clé la plus importante pour les personnes qui seraient indécises ou
qui seront un peu perdus par rapport à leur orientation, par rapport à des choix dans leur vie, quoi. Ok. Donc, l'avantage, c'est quoi? L'avantage d'un objectif, c'est de pouvoir rythmer sa vie et de pouvoir être ancré dans sa propre vie pour aller quelque part, pour comprendre qu'il y a une destination qui peut être passagère ou finale en fonction des objectifs et qui va justement nous amener à réaliser des choses. Donc, un objectif sert à réaliser ou à se réaliser. Sans objectif, on ne produit pas ou alors on ne se produit pas soi-même. Amen, c'est ça. L'avantage aussi, je dirais, c'est de savoir où on va. Oui. En fait, l'objectif va être comme un plan, comme un GPS, en fait. On se dit, voilà, là, j'ai tel objectif. Donc, c'est notre direction finale, en fait. Bon, je dis direction finale, mais ça peut être, c'est aussi une étape. Oui. Voilà. Donc, quand on sait qu'on a un objectif, en fait, on va poser des actions en accord avec l'objectif qu'on s'est fixé pour justement atteindre cet objectif qui va nous mener à un autre objectif, et ainsi de suite, jusqu'à l'objectif final. Donc, il va être l'objectif, du coup, le plus ambitieux. Et surtout, pouvoir vraiment, pour le garder en tête, pouvoir vraiment l'écrire, pouvoir vraiment définir chaque étape en son temps. Bien sûr, il va falloir faire preuve de bienveillance et faire preuve aussi de réalisme, mais pouvoir vraiment écrire cet objectif, écrire ce projet et vraiment le détailler pour que... quand on regardera ce plan dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, voir c'est la progression, voir où on en est. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir écrire les objectifs et de les regarder souvent. Pas juste les écrire dans un carnet et planter et le carnet au fond. Comme ça. Vraiment y retourner et même y rajouter des choses qu'on aura finalement modifiées, qu'on aura finalement fait évoluer par rapport aux circonstances de la vie, tout simplement. Et j'aime beaucoup ce que dit la parole de Dieu, justement, dans Proverbe 29-18, donc la version parole de vie, qui dit « Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. » Wow. Yes. Exactement. Alors, l'avenir, effectivement, alors on sait que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur. Yes. Donc il a déjà des projets pour nous, il a un plan en fait pour nos vies, ok? C'est un plan qui est merveilleux, on le sait, amen. Amen. Voilà, amen. Mais quand on marche justement et qu'on veut atteindre le plan de Dieu, mais qu'on y va dans le désordre, en réalité on va partout et n'importe où. Exactement. Et nulle part, j'ai envie de dire, en fait. Et c'est là qu'est l'importance, justement, et de se fixer un objectif. L'avantage, c'est de pouvoir avancer tout en sachant où est-ce qu'on va. Ok, Seigneur, tu as des plans pour moi. Ok, premier objectif, découvrir les plans de Dieu pour ma vie. Ça peut être un premier objectif. Une fois qu'on connaît les plans de Dieu, qu'il nous les révèle, comme tu as dit tout à l'heure, dans le lieu secret. Quand on va parler de lieu secret, c'est vraiment dans l'intimité avec le Seigneur qu'on va lui poser la question. Yes. Ok, c'est le temps qu'on va passer avec le Seigneur dans notre chambre ou peu importe la pièce que vous avez. Et surtout, le fait d'avoir des objectifs, ça va nous permettre de gagner du temps. Quelqu'un qui n'aura pas d'objectif peut perdre 5 ans de sa vie à justement faire tout et n'importe quoi parce qu'il est perdu. Alors que quelqu'un qui a vraiment cherché un objectif, qui a fixé ses objectifs, il pourra le faire rapidement en vraiment 1 an, 2 ans, selon son domaine. Donc vraiment, ça nous permet également de gagner du temps. C'est ça. Donc, un des objectifs, c'est le gain de temps. Yes. C'est ça. OK, très bien. Parfait. J'aimerais rajouter une citation biblique de l'apôtre Paul qui parle dans Philippiens 3 à partir du verset 13. C'est l'un aussi de mes versets vraiment préférés, un de mes versets favoris. Il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » La suite. Je cours vers le but. Okay. Amen. Donc, il court. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court pour un objectif précis. On ne court pas pour rien. Exact. On ne court pas aussi après rien. L'apôtre Paul, c'était un homme brillant, un homme de Dieu brillant, qui nous a apporté des révélations vraiment excellentes. Yes. Et même lui, dans sa réussite, sait qu'il doit continuer parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. Parfois, on manque de clarté et de visibilité dans notre propre vie parce qu'on pense qu'une étape est en fait la destination finale. Alors que non, c'est une étape. Alors qu'effectivement, c'est ça. Alors que parfois, c'est une étape. Donc, c'est très important de marcher avec plusieurs objectifs, je crois, avec plusieurs objectifs, pardon, et d'avoir aussi l'humilité de reconnaître qu'à certains moments, il faut aller plus loin. Il y a une étape après. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que
J'ai perdu mes mots. Mais ils vont revenir, n'est-ce pas? Non, voilà, en parlant des objectifs, justement, ils n'ont pas forcément tous la même durée. Exact. Ils n'ont pas tous la même durée. Et je crois que si ça peut aider certaines personnes, il faut visualiser son gros objectif comme le sommet de l'escalier, mm-hmm. et les petits objectifs qu'on va se fixer comme les marches, en fait, qu'on va devoir monter. Mm-hmm. Et parfois, même pendant qu'on est en train d'accomplir un des objectifs, pendant qu'on est dans l'accomplissement, il y a d'autres choses aussi qui se dessinent. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est justement. Ça c'est que voilà, parfois, on n'a pas le plan révélé tout entier, tout de suite. C'est ça. Voilà, ça peut mettre du temps et ça arrive aussi étape par étape. Mm-hmm. Moi, je crois que parfois, si le Seigneur montrait tout aux gens, ce serait trop... Certains n'assumeraient pas. Mais je pense qu'on ne le ferait même pas. En fait, je pense qu'on ne le ferait même pas. Parce que si il doit montrer tout, c'est-à-dire qu'il doit aussi montrer les moments moins drôles dans l'atteinte des objectifs. C'est ça. Il y a des moments de difficulté, il y a des moments de doute, il y a des moments où ce sont des leçons ou des corrections, et souvent c'est le raccourci, c'est échec. C'est pas drôle de vivre ça. C'est ça. Si Dieu nous montrait cette partie aussi, peut-être qu'on n'y irait pas. Et je crois aussi que ça sert aussi à nous rendre obéissants, oui. à nous rendre aussi dociles à la voix et à la parole de Dieu. Amen. Par exemple, je pense à Abraham, à qui il lui a dit d'aller dans tel pays, mais il lui a pas dit où exactement. Il lui a seulement dit va. L'obligé d'être dépendant. De quitter sa patrie. Oui, il lui a juste dit va. Et Abraham a obéi. Aujourd'hui, on va appeler Abraham, vraiment, c'est vraiment... quand on va parler de la foi, mais c'est Abraham qu'on va mentionner en premier. Le père de la foi. C'est lui le père de la foi, bien sûr. C'est lui qu'on va mentionner en premier quand on va parler de la foi. Mmh. Et Abraham a dû écouter le Seigneur. Il a dû être obéissant, parfois sans trop savoir où est-ce qu'il allait. Exactement. Mais il savait que voilà, il faut quand même que je pose le pas. Donc voilà. Moi, je crois que le Seigneur ne révèle pas tout, justement, c'est pour ça. Nous rendre obéissants, pour nous rendre dociles. Et aussi, ça va travailler notre caractère. Oui, c'est et ça. Nous et notre dépendant, mentalité. Quoi. Exactement. De lui. Ça m'inspire un petit truc. Oh, gloire à Dieu. On doit avancer, mais tu as parlé d'Abraham, et là, ça m'a... tu as averti le feu. Ça m'a un petit peu parlé, parce que Abraham, son objectif, c'était d'avoir un enfant. Exact. D'accord. Pour lui, ça semblait un projet fou et ambitieux parce que ça marchait pas. D'accord. Donc, de juste avoir un enfant, il est devenu père d'une multitude et père de la foi. C'était pas juste l'histoire d'un enfant. Ça veut dire que notre objectif qu'on peut trouver singulier, peut-être simple, finalement deviendra même quelque chose de très ambitieux parce qu'il y a Dieu dedans. Amen. Vous voyez? Et dans ce projet qui, pour lui, semblait incroyable et peut-être pour sa femme, fou, parce qu'à chaque fois qu'on disait à Sarah « Mais oui, tu vas enfanter », elle, ça la faisait rigoler. En fait, on a appris au travers de l'histoire d'Abraham l'adoration et une offrande qui monte vers le Seigneur comme un parfum de bonne odeur, mais à une nouvelle dimension. Ça veut dire que vos objectifs, aujourd'hui, peuvent sembler banal à vos yeux ou aux yeux de d'autres personnes, mais Dieu va s'en servir et il va comme les magnifier pour finalement bénir beaucoup de personnes. Amen. Mais attention, parce que sur ce chemin-là, vous allez aussi rencontrer parfois des pièges que l'ennemi va vous tendre. Et je pense que c'est bien aussi, lorsque nous parlons des héros de la foi, de parler aussi des épreuves qu'ils ont eues. Ismaël n'était pas prévu dans le plan. En fait, Ismaël n'était pas l'objectif. Exact. Ça a été la contrefaçon de l'objectif que Dieu avait mis dans le cœur d'Abraham. C'est un raccourci. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Et le contraire des objectifs, des fois, c'est les raccourcis. Et souvent, les gens les prennent parce que tout simplement, c'est la facilité, c'est le découragement, le manque justement de vision, le fait d'utiliser que sa vue, que ce qu'on voit actuellement, qui fait que ces personnes vont prendre des choses bon marché, des choses vraiment au rabais alors qu'ils auraient pu vraiment faire des choses. Elle a dit que l'enfant de la dame était bon marché. Mais non. Mais c'était un enfant, c'était son fils, tu vois. Mais c'était pas aussi, le fils de la promesse, tu vois. Oui, c'était oui. pas celui que Dieu a promis à Abraham et Sarah et celui qui devait faire des grandes choses. Mais il était là, bien sûr. Il a accepté, il a fait avec. Mais c'était pas l'enfant, en fait, qui était promis, qui avait été consacré à Dieu, tu vois. C'est ça. Donc, certes, les raccourcis vont être là parce que il faut pas se dire que le raccourci, après, il va s'effacer quand on aura notre objectif. Il restera là. Il faudra assumer, il faudra savoir vivre avec.
mais il faudra aussi savoir rebondir et accomplir le reste, en fait, de, du projet de Dieu pour nos vies. Amen. Ne pas rester dans ce, on va dire, cette chute, quoi. Oui. Ce petit écart qu'on a fait. Voilà, ce petit écart qu'on a fait du projet de Dieu. C'est ça. Alors, juste pour faire un petit récap, donc pour répondre à comment accomplir ton objectif le plus ambitieux, on a parlé des avantages de se fixer un objectif. Et déjà, l'un des avantages, c'est le gain de temps. Oui. Et si je comprends bien, d'après ce qu'on a dit aussi, il ne faut pas prendre de raccourcis pour atteindre son objectif le plus ambitieux. Parfois, les raccourcis sont même plus longs. Hein. Oui, au final. On se dit, non, je vais prendre cette route-là, elle a l'air plus courte. C'est comme si tu marches et finalement, le raccourci te met un chemin. Le GPS, il recalcule et finalement, au lieu de 5 minutes, ça t'en met 15 et après 30. Voilà. Après, voilà. C'est ça. Tu t'enfonces dans la forêt. Et voilà. Tu te perds surtout, tu te perds. C'est ça. Très bien. Ben merci beaucoup les filles. Et on va aussi évoquer un autre point qui, je crois, est vraiment très important. On en a parlé brièvement tout à l'heure quand on parlait de notre entourage qui peut éventuellement nous freiner. Moi, je dirais également que pour atteindre ses objectifs, il ne faut pas raconter ses rêves à tout le monde. Il ne faut pas raconter ses rêves à tout le monde. Déjà, les rêves, c'est en partie une des façons par lesquelles Dieu va nous parler. C'est une des voies de Dieu, d'accord ? Donc ça veut dire que quand on rêve de quelque chose comme ça, c'est que Dieu nous a parlé, nous a communiqué quelque chose. Donc ça reste notre intimité avec le Seigneur. C'est quand on parle d'intimité, déjà c'est entre lui et vous, en fait. On ne révèle pas les choses intimes. Par exemple, un couple marié, ce qui se passe entre eux, ce qu'ils se disent, ils ne vont pas le révéler à tout le monde. Je parle du couple marié, mais même en amitié, hein. Les secrets ne se révèlent pas, bien sûr. Les secrets ne se révèlent pas, ne se donnent pas comme ça à tout le monde. Voilà, ben, il en est de même pour les objectifs, les rêves, les projets que Dieu va vous mettre à cœur. Et pour certains, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas forcément chrétien, si vous faites des rêves comme ça, que vous avez un truc qui vous tient particulièrement à cœur, que vous sentez que vous devez réaliser, mais que c'est trop gros, c'est qu'il y a Dieu dedans. Wow. Et surtout que c'est possible de demander à Dieu, est-ce que je le dis, à quel moment je dois le dire, à quel moment je dois l'annoncer. Et c'est possible de demander à Dieu cet instant et ne pas forcément se précipiter dès qu'on a l'idée. On est toujours, en fait, on a rien fait, on est enceinte de ce rêve. Il n'y a aucun projet, aucune fondation qui a été posée. Mais le fait de le dire tout de suite, mais ces personnes mal intentionnées peuvent casser les fondations qui n'existent même pas. Déjà, il y a ça. Et puis, lorsque le Seigneur nous donne des objectifs, en fait, ça vient avec une certaine impulsion. Yes. Ça vient avec une énergie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Donc, lorsque Dieu communique le plan, il communique aussi sa vie. Amen. D'accord ? Donc, quand Dieu te parle et qu'il te dit, Mylène, je vais faire des grandes choses avec toi, en fait, il injecte la puissance qui va avec. Amen. Et quand tu vas, en fait, parler de ce rêve, tu es en train de relâcher. En fait, tu relâches la puissance qui est utile pour le démarrage, pour le décollage, ou peut-être même pour l'incubation d'abord de ce projet. Donc, c'est vrai qu'on parle de l'entourage, mais il faut aussi toi-même te positionner dans l'entourage et te dire que tu peux faire toi-même en sorte que ton entourage devienne comme une entrave pour l'accomplissement, parce que tu ne sais pas parler avec sagesse. Et on voit cet exemple avec Joseph. Histoire qui est une de mes favoris. En tout cas, j'aime bien parler de mes passages favoris aujourd'hui. Mais vous voyez, dans Genèse, à partir donc du chapitre 37, c'est très très long, mais il va faire ce rêve où il... en fait, il est question de sa grandeur, il est question de son élévation dans la société que Dieu a décidé de faire sur lui. Lui ne comprenant pas, il en a parlé à ses frères. Il aurait pu demander, comme tu l'as dit, mais Seigneur, de quoi il est question ? Il en a parlé à ses frères. Et ses frères ont été offensés. Supposons qu'il ait attendu. Peut-être que s'il avait attendu quelques temps, ses frères n'auraient pas été offensés par le rêve et qu'ils auraient dit, bon, ok. Imaginez que Dieu ait décidé de parler à toute la famille, mais à des moments différents. Si toi, tu connais ton rêve de grandeur, l'autre aussi, moi aussi, pourquoi on va être jalouse l'une de l'autre ? Pourquoi est-ce qu'on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues ? Bon, je vais pas refaire l'histoire de la parole de Dieu, c'est fait ainsi. Mais tout ça pour expliquer que, effectivement, prenons le temps de parler d'abord avec notre Seigneur. Pour être sûr
du moment où on pourra verbaliser l'objectif. C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, en citant justement Joseph et ses frères, Joseph va parler justement des projets d'élévation que le Seigneur a pour lui. Et ça va offenser ses frères qui vont devenir jaloux. Donc, tu veux dire quoi? Que nous, on va se prosterner devant toi? En gros, c'est ce que ses frères lui ont dit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en réalité, quand vous avez des rêves comme ça qui sont fous, qui sont grands, n'en parlez pas parce que parfois, votre entourage n'est pas prêt à les entendre. Votre entourage ne pourra même pas les comprendre, en fait, parce que c'est quelque chose qui est entre Dieu et c'est vous. Ça. Donc, l'entourage ne pourra même pas comprendre. Et l'entourage, parfois, n'a pas assez de foi pour comprendre et supporter justement ce rêve avec vous. Exact. Et surtout être sage parce que tout simplement, comme tu l'as dit, et Daphné l'a dit également, le fait de le dire tout de suite, nous également, nous n'aurons pas tout de suite la capacité de supporter les épreuves, supporter les choses qui peuvent arriver, les choses que les personnes peuvent créer dans nos vies pour nous mettre des bâtons dans les rues. Ou tout simplement, on n'aura certes pas notre famille, notre entourage ne sera pas prêt à écouter, mais nous, on ne sera pas forcément prêt à recevoir, à faire face, à rester ferme face à ce que Dieu nous a révélé. Et vraiment, le fait d'attendre la saison, d'attendre en étant sage, en étant vraiment patient, en ne cédant pas à la précipitation, mais permettra de protéger en fait cette grossesse, protéger ce projet, et qu'ensuite, que ce projet ambitieux puisse vraiment voir le jour. Et que tout simplement, comme on dit, fais les choses en silence et ta réussite fera du bruit pour toi. Oui, comme on dit. Et je voudrais quand même qu'on puisse rappeler qu'il n'est pas question ici de diaboliser les gens. Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout en train de demander aux gens d'avoir une extrême méfiance envers leurs proches ou leur entourage. Je crois que Dieu est toujours un Dieu d'amour et que quand il décide d'élever quelqu'un dans un groupe, dans une communauté même, c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier. Exactement. Donc, lorsque l'on se plie au plan de Dieu et au temps de Dieu, en fait, tout et tout le monde s'aligne et s'accommode à sa volonté. Amen. Tout est de pouvoir lui faire confiance. J'aimerais aussi encore apporter une autre nuance par rapport à l'entourage. L'entourage, c'est pas seulement à notre ère, les personnes qui nous entourent, c'est aussi ce qu'on regarde. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux et tout, où on a une pluralité d'informations de comment X fait, comment l'autre fait, cette méthode, l'autre machin qui a fait la même chose que toi avant, qui a raté, qui protège toi aussi de ça. D'accord. Exactement. Parce que c'est des choses qui peuvent justement tuer ta foi. C'est des choses qui peuvent tuer ta foi. Oui, toi qui me regardes. C'est ça. Il faut en fait regarder des choses qui vont nourrir ton esprit, qui vont vraiment nourrir ton mindset en fait. Par exemple, si tu as un projet, je ne sais pas, dans les finances, admettons, mais tu ne vas pas regarder forcément tous les crashs qu'il y a eu. Tu vas aussi regarder les réussites qu'il y a eu en finances. On est bien d'accord. Tu vas aussi regarder les personnes qui ont réussi dans le même domaine que toi. Ça va vraiment nourrir ton esprit. Ça va vraiment t'encourager. Et tu verras que tout est possible. Mais quand on se nourrit des choses négatives, ça va nourrir le « Ah, c'est pas possible. J'y arriverai pas. » Ça va vraiment nous amener en fait en arrière, tout simplement. Comme il y a des gens qui ne croient plus au mariage parce que soit ils ont des parents divorcés ou soit autour d'eux, c'est une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire que ça va être la catastrophe pour toi. Regarde les couples qui ont fonctionné. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y a pas d'embûche, que ce soit pendant le mariage ou autre objectif qu'on a à accomplir. Il y en aura des embûches, mais il faut juste se dire que c'est là pour nous fortifier, en fait. C'est ça. Là pour nous faire sortir de notre zone de confort, qui est une zone à risque. Je répète, la zone de confort est une zone à risque. Sortir. Il faut sortir de et là. Et surtout qu'on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais aussi, comme tu dis, le fait de regarder des mauvaises choses, ça corrompt aussi les bonnes mœurs. Ça fait en sorte qu'on se dévalorise, qu'on ne se sent plus en fait capable de faire les choses alors qu'au début, on avait toute confiance au projet de Dieu. Donc vraiment, le fait de pouvoir s'entourer de bonnes personnes et pouvoir également s'entourer de bonnes choses, de regarder des bonnes choses, d'écouter des bonnes choses, vont aussi du coup construire notre mentalité et ne pas en fait nous ramener vers le bas. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu faisais un rappel justement aux téléspectateurs en disant on n'est pas là pour diaboliser l'entourage. Mais j'avais envie de dire faisons attention même à nous-mêmes. C'est ça. On peut aussi être cette mauvaise personne inconsciemment. Ça veut dire ton ami vient t'annoncer « Ah,
j'ai tel projet, ah, il y a ceci, ah, il y a cela. Et puis toi, tu es là, et pourquoi moi, je n'ai pas ce genre d'ambition? Pourquoi moi, je n'ai pas des objectifs? Pourquoi moi, ce n'est pas comme ça? Et en, quand on commence déjà comme ça, on est en train de semer des mauvaises choses dans son cœur. Et c'est inconscient, hein. Y a des gens qui sont jaloux inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas le matin en disant « je veux être jaloux de cette personne ». Non, c'est « bah oui ». Quel dommage, si c'est le cas. Non, même. Non, mais attends, tu rigoles, je regardais un film... dans la semaine où très brièvement, donc c'est une fille qui avait été ses parents sont morts très jeunes, enfin elle a un peu vécu dans la rue et puis elle avait un petit copain et son petit copain, bah, tout le petit, les petits boulots qu'elle faisait, c'est lui qui prenait tout son argent à chaque fois. Elle a été renversée en voiture par une jeune fille riche qui du coup l'a déposée à l'hôpital et quand la fille est revenue voir à l'hôpital si elle allait bien, elle s'est rendue compte que la fille est partie en fait. Et donc on retrouve la fille dans la rue, elle a volé du pain parce qu'elle avait faim et les gens étaient en train de la tabasser et c'est la maman de la fille qui l'a renversée qui maintenant va la sauver de cette situation, va la prendre sous ses ailes, va l'adopter comme sa propre fille. Au point où même elle va changer son testament pour lui donner une part de son héritage. Vous vous rendez compte? Mais la fille derrière, son petit copain la retrouve. Quand on vous parle des mauvaises compagnies, son petit copain la retrouve. Au départ, elle fait comme si elle ne le connaît pas, elle le snob, etc. Mais elle continue par la suite à nouer des liens avec lui. Okay, et lui, il va lui dire, mais tu es dans une famille riche, il faut que toi aussi tu aies ton gain. Et elle, quand elle va se renseigner auprès de l'avocat sur ses gains, eh ben elle se dit, mais pourquoi moi je n'ai que ça et ma sœur a plus que moi? Et l'avocat qui va lui dire, mais rends déjà grâce à Dieu, parce que cette dame ne te connaît même pas et elle te donne une part de son héritage. Et la fille qui dit, non, pourquoi ma sœur a plus et moi j'ai moins? Elle n'analyse même pas la situation, vous voyez? C'est vraiment l'ingratitude. Exactement. Ça, c'est une personne sans objectif. Voilà, mais elle avait des objectifs, mais qui n'étaient pas bons. Non, on ne parle pas de ça. Pas de voilà, c'est pas de ça qu'on parle. En fait, elle voulait tout simplement, c'est pas un projet ambitieux, c'est tout simplement de l'usurpation. Vraiment, le fait que quelqu'un t'a tendu la main et toi, elle te donne juste la main, tu veux tout le bras, tu vois. C'est ça. Et c'est vraiment de l'ingratitude et de l'opportunisme au final. Et des fois, on dit souvent, pour obtenir quelque chose, pour attirer des choses à nous, il faut savoir l'applaudir, il faut savoir encourager les autres, féliciter les autres. Exact. Et la grâce, en fait, viendra à nous, tout simplement. L'opportunité viendra. Mais si on maudit la personne, on méprise le succès d'une personne, ce projet ne viendra pas à nous parce qu'il va nous fuir. Parce qu'on n'est pas capable, en fait, d'accueillir la victoire de quelqu'un d'autre. On n'est pas magnétique, comme dit l'apôtre. L'âme est magnétique. Amen. D'ailleurs, je voulais juste vous inviter, chers téléspectateurs, à rester avec nous parce qu'on va parler par la suite d'une mentalité excellente. On en a besoin pour atteindre justement notre objectif le plus ambitieux. Je vais juste vous rappeler, avant qu'on arrive à cette partie, de ne pas oublier de nous soutenir, hein, chers téléspectateurs. C'est vrai que vous êtes connectés et vraiment, on vous dit merci de nous regarder. Merci pour les commentaires. Merci parce que vous nous faites aussi grandir, vous nous faites évoluer. Vos retours sont très importants pour nous, mais vous voyez, cette chaîne, elle a besoin de votre soutien, d'accord? Donc le PayPal va s'afficher bientôt, ok, sur votre écran, et vous pouvez nous soutenir par le biais de PayPal, afin que nous puissions continuer à vous proposer encore des contenus de qualité, des contenus édifiants. Et voilà, n'est-ce pas les filles? Merci. Nous-mêmes, nous soutenons cette chaîne. Là où vous nous voyez, nous soutenons cette chaîne. Nous sommes fiers d'avoir ce beau plateau, d'avoir des beaux contenus. Voilà, donc merci chers téléspectateurs. Merci pour le soutien. Très bien. Ok, après l'entourage, on va parler aussi de la mentalité excellente. Oui. Avoir une mentalité excellente. Alors, je vais lire un passage de la parole de Dieu qui est dans Proverbes 6. Du verset 6 à 8 qui dit « Regarde la fourmi paresseuse, vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture au moment de la récolte. Elle fait des réserves. » Amen. Donc clairement, on voit comment la fourmi... Alors déjà, ce passage s'adresse aux paresseux. Regarde, paresseux. Vous êtes visés. Les paresseux, vous êtes visés. Ça va aller. La paresse ne fait pas partie de l'excellence. Si vous êtes paresseux, déjà, vous n'avez pas une bonne mentalité, ça, faut le savoir. La paresse va vraiment être un frein pour l'atteinte de vos objectifs, notamment de l'objectif le plus ambitieux.
Et là, on voit que la fourmi, en fait, elle procède étape par étape. Et voilà. Elle fait les choses par saison. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a des objectifs qui ont des saisons oui. pour les atteindre. On oui. ne peut pas tout faire en même temps. C'est On ça. Ne peut pas tout atteindre en même temps. Donc, il y a une saison pour semer et il y a une saison pour récolter. Amen. Et même dans Proverbe 13, 11, ils disent, c'est dit, une richesse gagnée en peu de temps diminuera, mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Donc, c'est vraiment qu'en fait, il y a une loi, Amen. Une loi spirituelle qui dit qu'on doit faire les choses par processus, que Amen. Si on obtient les choses trop rapidement, mais ça peut nous créer de l'orgueil, ça peut créer la destruction du projet rapidement, alors que même si on passe des années, certes, dans la douleur, certes, à travailler, certes, à connaître des sacrifices, dans le futur, ce projet sera vraiment pérenne, ce projet sera vraiment durable et on aura vraiment à amasser une grande richesse qui sera le fruit de notre travail et surtout on va en prendre soin parce qu'on aura souffert, parce qu'on aura Exactement. Fait du sacrifice, parce que tout simplement comme les enfants gâtés par exemple quand ils obtiennent tout, ils prennent pas soin de leurs affaires, ils ont pas par la suite la valeur de l'argent alors que quelqu'un qui a vécu toute sa vie en faisant des petits jobs en multipliant les travails en travaillant toute sa vie mm-hmm. aura vraiment la valeur de l'argent, la valeur mm-hmm. des choses qu'il va s'acheter, des choses qu'il va construire. Et vraiment, c'est cette mentalité qu'on doit avoir pour être excellent, pour développer l'excellence en tant que chrétien et même en tant qu'être humain, tout simplement. Amen. C'est ça, amen. D'autant plus que cette mentalité ne regarde pas forcément les personnes qui n'ont pas les moyens. En fait, c'est une mentalité même pour les personnes qui n'ont ont pas. Beaucoup. Non, justement, qui ont. Parce que c'est vrai qu'on se dit que les enfants gâtés finissent par ne pas avoir, par exemple, la valeur de l'argent ou bien connaître l'importance de l'effort et tout. Mais connaître la valeur de l'argent et de l'effort, ça ne concerne pas forcément une couche sociale. Dieu, notre Dieu, est abondant. Amen. Et il est abondant tout le temps. Il a toujours été ainsi et ça ne changera jamais. Pourtant, lui-même à respecter la loi du processus, même quand il a créé le monde. Exactement. Il a commencé par quelque chose. Déjà, il a dit que nous allons faire. Mm-hmm. Quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yes. Il a d'abord conçu l'idée en lui-même. Mm. Il s'est réuni, concerté avec le Fils et le Saint-Esprit, donc lui-même, yes. pour dire on va faire. Puis on nous dit qu'il a pris la poussière du sol et il a soufflé en lui et il est devenu un être animé. Mmh. Donc on voit là qu'il y a un processus de création. Dieu ne déroge jamais à ses processus, à ses lois, mais notamment la loi du processus. Donc il n'est pas question ici de l'apologie de la souffrance, mais de respecter un processus parce que c'est dans ce processus-là que vous allez pouvoir saisir les trésors qui sont cachés Exactement. Derrière les principes de Dieu. Amen. La Bible Amen. Va dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder, de connaître, de Amen. Découvrir quels sont les trésors. Alors lorsqu'on respecte en fait un processus, on se met en lice, on se rend disponible pour pouvoir saisir en fait des pépites qui nous amèneront à pérenniser ce qu'on est en train de bâtir. Et dans Luc 16, au verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » C'est ça. Donc le processus va nous permettre de se réinitialiser sur la parole de Dieu, mais pour pouvoir investir en cette parole et qu'elle ne nous quitte pas, même après avoir atteint les objectifs, même les plus ambitieux. Amen. C'est-à-dire que en suivant le processus, même quand on arrivera au sommet, on aura acquis du coup cette mentalité d'excellence. Le processus donc du coup nous conduit à développer cette mentalité d'excellence qui va du coup nous permettre de garder tout ce qu'on a pu amasser pour pouvoir l'utiliser quand on va arriver à l'atteinte de cet objectif. Et c'est ce qui va nous permettre de passer à l'étape supérieure. Amen. Maintenant. C'est Amen. Exactement ça parce que mais de toute façon même la vie entière est une question de processus. Je veux dire, il n'y a que Kirikou qui s'est enfanté déjà seul et qui a commencé à marcher seul et qui est devenu grand. Mais même lui, il avait des problèmes de croissance. C'est en embrassant Karabakh qu'il est devenu grand. Il y a un problème. Mais il y a un problème.
Lui-même, il a eu des problèmes. Il y a que Kirikou qui n'a pas respecté le processus. D'ailleurs, est-ce qu'il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère, celui-là? Ah, là, je ne sais même pas. Je ne sais plus. Hein, vous voyez, lui-même qui s'est déclenché, il est sorti. Il est sorti en marchant comme ça. Adam, du coup, il est né grand. Dieu a vraiment dû venir. Adam et Kirikou. Peut-être c'est la même personne. Bon, pardonne-nous, chers ancêtres. Adam, il est né grand et du coup, il avait des lacunes et Dieu a dû venir lui l'enseigner, faire ce processus d'apprentissage pour qu'il soit même grand, capable de faire les choses qu'il avait prévues pour Adam, faire le projet ambitieux qui était cultiver le jardin d'Éden qu'il avait prévu pour lui. Et tout simplement, il avait des lacunes parce qu'il est né grand. Amen. Et du coup, ça a péché quoi. À sa croissance, ça a péché à son développement, ça a péché à la réalisation du plan ambitieux que Dieu avait pour lui. Et ça a péché sur ce qu'il garde. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous donne tout, mais il attend de nous que nous gardions. Ce qui s'est passé avec Adam, c'est qu'il a perdu son autorité. Il a perdu. Parce qu'il n'a pas su à ce moment-là que j'ai l'autorité, j'ai la possibilité de pouvoir garder et de fructifier. La parole nous dit de garder le bon dépôt. C'est ça. Elle nous dit aussi que tout est à vous. Donc en fait, on a tellement de choses et on est capable de tellement, mais il faut qu'on puisse garder. C'est pourquoi Dieu permet que nous ayons des processus. On va nous parler du perfectionnement des saints. Nous sommes déjà saints, mais nous devons aller dans une dimension de perfection encore meilleure, parce qu'il y a un processus. Et l'objectif, c'est qu'on garde, on saisisse nos victoires, on les a, et on les a pour tout le temps. Qu'on ne laisse pas l'ennemi nous les voler, qu'on ne laisse pas le diable, en fait, nous faire croire qu'il a encore la possibilité. Vous savez, même lui, il n'a plus les clés de son royaume. La Bible va dire que Jésus a récupéré la clé du séjour des morts. Mais oui. Donc, même celui-là qui croit avoir un royaume, il n'en a même pas les clés. Ça, il n'a plus d'autorité légale. Voilà, sur nous, il n'a rien et il ne peut pas garder. Mais nous, aujourd'hui, en tant que nouvelle créature, nous avons cette responsabilité de garder comme Adam avait pour responsabilité de garder le jardin. Garder le dépôt. Amen. Garder le dépôt. Waouh. Ah là là, quand je pense à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, certains ne sont pas en Christ. C'est ça. Donc du coup, ils se posent des questions souvent sur leur vie. Mais pourquoi moi, je n'ai pas ça? Pourquoi moi, je ressens ce vide? Pourquoi moi, je n'ai pas cette connexion peut-être divine qui fait que je vais aller plus loin, etc.? C'est qu'il manque Dieu dans votre vie, en fait. Il manque, c'est la place de Dieu, en fait. C'est ça. C'est la place de Dieu que parfois les gens occupent avec d'autres choses, avec des addictions. Quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils vont se réfugier dans des choses où ils deviennent addicts, par exemple. Oui. Nous, on va juste vous encourager à avoir des objectifs, à les accomplir, mais qui plus est, à les accomplir avec le Seigneur. Amen. Donc, Amen. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si vous ne connaissez pas encore Jésus, en tout cas, nous prions que ce soir, cette émission ait pu vous parler et toucher votre cœur. Et vous pouvez nous écrire sur notre page Instagram, Les Boss Lady Show, ok? Et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider justement à rencontrer ce Seigneur dont nous parlons tant. C'est Dieu vraiment qui est là, qui est en nous, qui vit en nous et qui est avec nous tout le temps. Amen. 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 Ce Dieu qui nous conduit et qui nous pousse justement à vouloir nous dépasser, à sortir de notre zone de confort. C'est pas tous les jours facile, mais c'est possible. Amen, et amen. C'est encore mieux quand c'est avec le Seigneur, parce que on a du mal à faire des choses, mais quand on les fait avec Dieu, on est boosté, quoi. C'est ça. On est fort parce que c'est lui notre force, en fait. Amen. Et vous voyez, quand on vous parle des plans de Dieu, des objectifs que Dieu nous donne et qui sont fous et qui sont trop grands, il ne s'attend pas à ce qu'on les fasse seul. Il s'attend à ce qu'on fasse équipe avec lui. C'est ça. Donc, en gros, on n'a même pas à compter sur nos propres forces, parce que nos forces, elles sont limitées. C'est ça. Mais pas celles de Dieu, en fait. Et j'ai même envie de dire qu'aucun objectif n'est plus grand que Dieu. C'est ça. Ah, amen. Oui. On parle d'objectifs ambitieux. Voilà. Mais aucun objectif n'est au-dessus de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça. Donc, les amis, arrêtez de vous fatiguer. Rejoignez Jésus. C'est Amen. Là que c'est doux. Amen. C'est là que c'est doux. Amen. Est-ce qu'on peut prier un petit moment pour les personnes qui nous suivent ce soir, qui
qui peut-être sont en manque d'ambition, ont l'impression de n'être rien, se sentent dévalorisés. On a juste envie de prier pour vous, pour vous encourager et Amen. Vous dire que vous n'êtes pas rien, les amis. Amen. Vous êtes quelqu'un. Si vous êtes sur cette terre, c'est parce que vous avez une mission à accomplir. Vous avez une destinée merveilleuse et glorieuse. Amen. Mais voilà, suivez le Seigneur et vous y arriverez. Mais en tout cas, on va prier pour vous, vraiment pour vous encourager, pour que vous soyez fortifiés pour atteindre ces objectifs. Et aussi, on va prier pour que vous ayez des objectifs sages et honorables. Amen. D'accord ? Amen. Parce que vouloir une promotion en utilisant... comment on appelle encore ça ? Promotion canapé. Promotion canapé, voilà. On vous gravez les échelons. Et ça, c'est pas ambitieux. C'est pas ambitieux. Oh. Donc là, si vous priez avec nous, ne priez pas pour que, Seigneur, donne-moi de pouvoir accéder à cette promotion canapé. Non. Pas ça. Dieu va même pas exaucer. C'est il va voilà. la prière, là. C'est ça. Voilà. Là, ça serait une perte de temps. Mais vraiment, ayez des ambitions, des objectifs sages et honorables. Amen. Et on va prendre 2-3 minutes, on va prier vraiment pour les téléspectateurs pour que vous soyez fortifiés. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel, Seigneur, parce que nous te bénissons Seigneur. À chaque et nous personne qui regarde cette émission, merci Seigneur parce que nous avons une mentalité excellente. Seigneur, merci parce que nous avons commandé la capacité de garder le dépôt, la capacité de garder nos rêves en nous tant que Dieu nous a pas révélé le temps et la saison. Nous prions pour Dieu que annoncer ces choses. Merci Seigneur parce que tu nous révèles chaque temps, à tout un chacun. Les projets que tu as merci pour la révélation de ta personne. Merci pour la révélation de tes projets et de leur destinée, la provision, Père, dans le puissant nom de Jésus. Père éternel, nous savons et nous croyons que tu es Dieu. Tu es un Dieu excellent, tu es un Dieu merveilleux. Et je crois et je déclare, Dieu, que tous les cœurs étaient disposés à te recevoir. Et je viens déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, Père éternel, plus personne devant cet écran, même les personnes qui verront cette émission, je déclare, oh Dieu, je viens mettre fin à tout esprit de dévalorisation. Je viens déclarer dans le puissant nom de Jésus que les téléspectateurs sont fortifiés et qu'ils vont de gloire en gloire. Merci Seigneur parce qu'ils se fixent des objectifs qui viennent de toi. Seigneur, je déclare que ta volonté devient la leur et je déclare, oh Dieu, que chacun d'entre eux va de gloire en gloire. Merci Père éternel. Merci Seigneur pour ta main et ton amour. Seigneur, posé sur leur vie. Merci parce que tu touches les cœurs, Père éternel, ce soir. Merci parce que celui qui ne te connaissait pas, Père éternel, te connaît davantage, Père éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces temps. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Oh là là, mais c'est déjà fini. C'est toujours comme ça. En tout cas, ce fut un plaisir, les filles. Vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec moi. Ce fut un honneur pour moi, vraiment, de pouvoir présenter cette émission avec des chroniqueuses vraiment aussi talentueuses et intelligentes et remplies du Saint-Esprit. Mais oui, mais je n'ai même pas dit vos noms au début. Parce qu'attends, il y a des nouvelles personnes là, qui viennent quand même. Tu as manqué à ton devoir. J'ai manqué à mon devoir. Je vous demande pardon, les filles. Donc, il y a Daphné qu'on ne présente plus. Si, mais qui va vouloir qu'on la présente. Voilà. Toujours. Donc, Daphné, notre chère chroniqueuse chez les Boss Ladies. Et Mylène, qu'on ne présente plus aussi. Mais qu'on présente quand même. Mais voilà. Qu'on va présenter quand même pour Mylène, qui est aussi une Boss Ladies, chroniqueuse. Donc, voilà. Merci beaucoup, chère chroniqueuse, chère Daphné, chère Mylène. Ce fut un honneur. Merci à vous les téléspectateurs d'avoir suivi toute l'émission. Merci pour vos commentaires dans le chat. On vous voit, on vous remercie. Merci pour vos retours, merci pour votre soutien. Merci encore à Pasteur Grâce qui est la CEO de cette émission, qui est la CEO des Boss Ladies. En fait, sans elle, il n'y aurait pas eu les Boss Ladies tout simplement. Donc si aujourd'hui vous pouvez bénéficier justement de ce contenu que proposent les Boss Ladies, c'est parce qu'il y a eu une visionnaire avec des objectifs derrière. Ambitieux. Voilà. Et c'est aussi parce qu'il y a eu l'apôtre Alain Patrick qu'il y a justement les Boss Lady Show et Évangile TV. Donc merci encore, apôtre. Merci. Et nous remercions la régie, nous remercions les maquilleuses qui nous ont sublimés. Et voilà. Et on vous dit à bientôt pour un prochain numéro. Restez connectés et contactez-nous sur notre page Instagram, les Boss Lady Show. Yes. Bye bye. Et on vous dit à bientôt. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine.